Bonjour à tous. Qui êtes connectés, merci à vous qui me prenez en cours. Voilà. Voilà. Je voudrais toutefois m'excuser. Voilà, j'ai dit que je vais m'excuser auprès de l'opinion publique pour un certain nombre de choses. Voilà. Je me présente. D'abord, je suis Armel, voilà, connu sous le nom de Mélodie Mélodieux. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis l'administrateur du groupe Fier d'être Koumen. Fier d'être Koumen, je suis celui qui a créé ce groupe. Voilà. Et je voudrais attirer votre attention à tous. Voilà. Qui est le fait que. Je voudrais attirer votre attention à tous, qui est le fait que ce groupe, dès le départ, je vais vous dire, le 20 janvier 2018, j'ai créé Fier d'être Koumen sur Messenger. Avec objectif de rassembler les frères, les sœurs, Koumen, les parents dans un échange libre, voilà, et courtois, surtout dans le respect mutuel. Voilà. Maintenant, suite à cela, je ne savais pas déjà qu'il existait un groupe qu'on pouvait appeler Fier Koumen. Suite à cela, j'ai pu voir des publications. Mon oncle était. Mon oncle fait partie. Ouais, salut Cyril. Salut Cyril, salut Rebecca. Voilà, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez juste appuyer en bas, vous partagez la vidéo une fois. Et puis, je vous invite. Et puis, je vous ajoute. Et puis, vous pouvez parler en direct. Ça ne me dérange pas. Voilà. Et ce sera bien aussi, ça va permettre aux gens, autant que moi, de pouvoir suivre mieux le direct. Voilà, donc je disais, quand j'ai créé ce groupe, ce n'était pas... Du coup, je suis allé m'inscrire parce que je voyais des publications de Lydie Banet qui m'étaient fier Koumen. Ah ouais. Donc, c'est ainsi que je suis allé sur ce groupe. Je ne sais même pas. Quelqu'un m'a inscrit. Et je suis allé. Dans ce groupe, je voyais du monde. Mais tout ce que je pouvais voir, je voyais des gens qui se présentaient. Je suis fier d'être Koumen, mais derrière ça, je ne voyais rien. Je ne voyais rien de concret. Voilà. Je ne voyais rien de concret. Alors, j'ai même publié quelque chose. J'ai même publié pour dire, mais je ne comprends pas comment dans un groupe, tous ceux qui viennent, c'est que je suis fier d'être Koumen, il n'y a rien de concret. Alors du coup, je suis parti du groupe. Déjà, j'ai publié un post. J'ai vu les gens publier et il y a un monsieur, comment on peut l'appeler, on l'appelle Walo, c'est son excellent Walo. Je crois qu'il est de Ouédré. Voilà, il est de Ouédré dans le département de Tabou. Voilà, il s'est attaqué à moi. Il a dit que si tu es responsable, nanani nanana, faut publier un post normal. Comme tout le monde, parce que moi je commentais, voilà. À la suite de ça, j'ai publié un post avec des photos. J'ai vu que des meufs, des filles ont commencé à parler dedans. Et soudainement, il y a quelqu'un qui m'a manqué beaucoup de respect. Je connais pas son nom, mais bon, bref, ça m'a pas dit grande chose en fait. Parce que voilà, en tant que quelqu'un de responsable, ne regardez pas beaucoup mon apparence. Hein, parce que je sais qu'en Afrique, on regarde beaucoup l'apparence de celui qu'on a en face. Voilà, il a les cheveux, il a ceci, cela, on s'en fiche de ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que la personne a derrière la tête. Derrière la tête, c'est ça le plus important. Alors du coup, je suis parti du groupe. Mais après, en y réfléchissant, j'ai dit, mais tiens, puisque à un moment donné... Moi, je publiais beaucoup les choses sur le Koumen, un peu partout sur les sites internet. Voilà. Et je dis, mais moi, mon groupe sur Messenger, ça s'appelle Fier d'être Koumen. Pourquoi ne pas créer un groupe Facebook? Alors, j'ai créé le groupe Facebook. Et j'ai eu avec moi Lydie Banet.
j'ai eu avec Lydie Ray, hein. J'ai eu avec moi Rebecca Takour, j'ai eu avec moi Cyril Youpayou. Je leur fais part de ma décision. Elles avaient peur. Elles ont dit, oh, Armel, Mélodie, tu vas faire des concurrences, tu vas faire des jaloux, tout et tout. J'ai dit non. La concurrence, je ne fais pas de concurrence. Mais moi, j'ai bien envie de progresser, que dis-je? J'ai bien envie d'aller dans l'idée de développement durable parce que moi, c'est mon idéal. Voilà, penser à ma région. Voilà. Ensuite, au-delà de ça, les filles, elles ont compris mon idée et on a commencé. Salut Naomi Ablo. Et on a commencé par là à construire le groupe. J'ai créé un premier groupe Fier d'être commune, ça a échoué. Et j'ai créé un autre groupe et c'est ce groupe-là qui est là. Et du coup, ça se passe bien. Mon objectif aujourd'hui, le groupe pour moi, ce n'est pas un simple groupe désormais. Ce n'est pas un simple groupe désormais. C'est un groupe avec des idéaux. C'est un groupe avec des projets. C'est un groupe avec des idées. Et aujourd'hui, je souhaiterais aller plus loin. Au lieu d'un simple groupe, j'ai décidé que ce groupe devienne une association polyvalente ou par contre ou même une ONG. Et du coup, j'ai lancé une pétition, c'est-à-dire j'ai écrit le projet que j'ai soumis à la préfecture de Paris. Parce que ici, pour créer une association ONG, il faut l'approbation des autorités. Je crois que ça doit se passer un peu partout dans le monde. Ensuite de ça, il y a un site internet qui est en train d'être créé, on a payé déjà, le domaine. Pour tous les responsables du groupe, ils auront, eux tous, sans exception, leur email, parce que j'ai déjà mon email. Là, nous sommes en train de constituer un noyau. L'objectif, c'est quoi? Après que la préfecture donne son approbation. Vous savez, en Europe, on vérifie tout. Déjà, ils iront sur le groupe, ils vont faire des vérifications de savoir comment ça se passe, comment ça marche, parce que désormais, c'est considéré comme une entreprise, parce que chaque association, chaque groupe a ce qu'on appelle un code, un numéro de CIRED. Voilà, pour ceux qui savent c'est quoi CIRED. Voilà, chaque groupe est notifié à un numéro. Et donc, du coup, ce ne sera plus un simple groupe. Donc, l'idéal, c'est de s'élargir. Il y aura des sous-sections, des sections et même des bases. Dans tous les villages de la région. Commencer par San Pedro jusqu'à vers la frontière du Libéria de Taï. Et du coup, l'objectif est grand. Derrière ça, il y a des grands projets qui sont à venir. Voilà, l'idéal, c'est le développement durable. Voilà, de notre région. C'est que main dans la main, on construit notre région. Voilà. Et donc, comprenez-moi que dans ma démarche, les émotions des uns et des autres ne seront pas acceptées. Que tu sois modérateur, responsable du groupe ou pas, si tu te comportes bien, c'est bien. Si tu ne te comportes pas bien, je ne vais pas regarder le fait qu'on est amis, tu m'aimes bien. Non, tu es supprimé. Ok, Naomi Ablo, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, ce matin, il y a eu un cas social, c'est qu'il y a une jeune dame du nom de Fanny Kua qui a fait demande d'intégrer le groupe avec une photo. C'est une photo normale, mais ailleurs, ça sera possible. Voilà. Moi, je suis en Europe, j'ai l'habitude de voir ce genre de choses, donc ça ne pose pas de problème. D'accord. Mais
pour l'image du monde entier, qui se veut un groupe décent et international, et surtout un groupe pas public, mais bloqué. Alors, vu que je travaille avec des personnes, on est au nombre de 12. Il y a 11 modérateurs et modératrices, plus moi. Pour moi, il était important de demander, parce que quand j'ai vu toute demande qui vient, je prends le temps de vérifier la demande avant d'accepter. Même si vous êtes 1000, je vérifie d'abord. J'ai vu sa demande, j'ai été sur son compte Facebook pour vérifier ses photos, tout et tout, mais j'ai vu que ses photos, tous étaient les mêmes. Alors, j'ai douté, je me suis dit, mais ça, est-ce que c'est pas un brouteur? Parce que les brouteurs, comme on peut le dire, les arnaqueurs, ils ont la possibilité de prendre la photo des femmes, tout et tout, pour faire des bêtises. Et donc, comme mon groupe se veut décent, il faut éviter que des personnes dans ce groupe soient arnaquées ou bien soient victimes de barbarie que je ne peux accepter, parce que c'est mon image qui sera pas. Et moi, je veux avoir une image vraiment. On dit que nul n'est juste dans ce monde. Voilà. Par exemple, j'ai des cheveux. Quelqu'un d'entre vous là-bas va me reprocher ça. Mais c'est normal, mes cheveux sont bouclés. C'est des cheveux comme pour métis, donc c'est normal. Donc si vous voulez ou vous voulez pas, bon, tant mieux. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai convoqué une réunion, une assemblée générale. C'est-à-dire que tout le groupe, tous les modérateurs et autres, on a un groupe Messenger et un groupe WhatsApp où on discute des décisions. Voilà, c'est vrai, la décision était difficile à prendre parce que il y a eu vote. Ceux qui ont voté pour qu'on publie sa photo et ceux qui ont voté non pour qu'on ne publie pas sa photo. Il y a eu même des échanges, presque même la bagarre, des frustrations des uns et des autres, mais là n'est pas le problème. Moi, mon idéal, ce n'est pas de voir les gens se diviser. Mon idéal, c'est de voir les gens qui veulent construire un État. Et moi, je travaille dans la démocratie, dans la transparence totale. Voilà pourquoi celui qui la connaissait et qui la connaît, Taleyou, je suis rentré dans son inbox, j'ai parlé avec lui tout à l'heure et je lui ai expliqué les choses. Franchement, ce qui m'a plu de lui, il a dit qu'il était fier, content de savoir qu'il ne m'en voulait pas et que c'était la décision d'un groupe, d'une assemblée, et qu'il s'est vu réjoui de savoir que ce n'est pas un simple groupe, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, il a donné son approbation. Alors, d'où je salue sa logique, je salue sa sagesse, je salue sa bravoure. Et je dirais que, s'il vous plaît, je ne suis pas venu pour m'appuyer sur les émotions de qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons travailler dans la cohésion sociale, dans le respect mutuel et dans l'amour fraternel et dans le fait que nous ne voulons blesser aucun d'entre vous. Voilà. Concernant la fille, je suis rentré dans son inbox pour essayer de parler avec elle. On s'est dit des coucou, tout et tout, et je l'ai salué. Je lui ai dit, bon, s'il te plaît, est-ce que pourrais-tu changer au moins l'image parce que voilà tout et tout. Mais le second message, ce n'est pas parti. Ça a rejeté, on sous-entend par là qu'elle m'a bloqué. Voilà. Et donc, je fais cette vidéo pour saluer la bravoure, pour saluer aussi la présence de tous ceux qui ont souscrit, qui sont membres à ce groupe, et tous ceux que j'ai fait adhérer à ce groupe, et tous ceux qui sont venus d'eux-mêmes. Sachez que vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous êtes au bon endroit. Et que là, c'est la famille, c'est chez vous, que vous soyez commun de père, de mère ou pas, et soyez commun à moitié, on est tous un pour tous, on a tous un seul objectif. Aujourd'hui, vous pouvez constater dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, voilà, Rebecca Mehdi essaie de convaincre tout le monde. Vous pouvez comprendre, aujourd'hui, dans l'état du monde actuel, Abidjan, en Côte d'Ivoire, les autres communes, les autres départements, les autres régions se développent. Mais la Côte d'Ivoire, mais la région de San Pedro reste, malgré nos politiciens qu'on a. Il n'y a rien de pratique, il n'y a rien qui évolue, les voies sont impraticables. Il n'y a rien de bon. Et donc, aujourd'hui, encore mine de rien,
Les gens tuent, les gens font n'importe quoi. Aujourd'hui, les cadres que la région a, qui sont aussi nombreux que je peux dire, certains préfèrent s'investir dans d'autres régions parce que disant que si je vais dans ma région, je me ferai tuer. On a tous peur de se montrer à l'œil nu. Mais là n'est pas. Là c'est un problème. Et tout ça, il faut rassembler. Il faut une tête, il faut des dirigeants, il faut des personnes qui vont aller vers les jeunes dans tous les villages pour leur faire comprendre l'idéal que c'est important. C'est important d'avoir une cohésion sociale, c'est important. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez comprendre que si, pourquoi la jalousie existe en Afrique, surtout dans notre région. Pourquoi la sorcellerie? Mais aujourd'hui, on peut comprendre que le crumen se base sur des cultures telles que l'EVA cacao, l'EVA palmier à huile et autres, ce qui fait que nos jeunes aujourd'hui sont délaissés, abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Or, s'il y a des entreprises, il y a des écoles de formation à tabou, une école de formation en informatique, des métiers à tabou, des métiers à San Pedro, des grandes choses, ça peut aider nos jeunes à la formation. Du coup, si un jeune qui est formé en informatique, un jeune qui est formé pour un autre métier, mais il n'aura pas le temps, il sera occupé, il n'aura même pas le temps de pouvoir, parce que s'il est formé, il est obligé de créer une petite boîte ou bien une boutique, par exemple comme Lydie Banet qui se débrouille très bien. Voilà, il est obligé de créer un petit truc dans la région de Tabou et il va s'installer. Son travail, tellement qu'il n'aura pas le temps, il n'aura même pas le temps de gérer les émotions. Voilà, avoir une plantation de cacao, café et via, c'est très beau, mais il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, avec l'avènement qui existe, hier c'était Babo qui était au pouvoir, le cacao, le café, ça montait de ouf, les VIA même chose, aujourd'hui c'est Alassane, vous pouvez constater que la NACAD montait, les VIA ça baissait, mais en même temps, tout ça, chacun de vous, vous êtes tous sur ces produits là, en sachant s'il y a des formations adéquates, il y a des entreprises qui viennent, il y a des organismes, ça c'est bon. Ça fait partie du développement. C'est comme ça qu'on pourra se développer plus. Donc, pour moi, mon idéal, c'est d'aller vers cet objectif. Si vous voulez me tuer aussi, parce que c'est un jeune qui sort de nulle part, qui raconte sa vie, faites-le. Mais pour moi, l'histoire aura retenu une chose, c'est que je suis venu devant les écrans et j'ai parlé d'un projet. Voilà. Aujourd'hui, mon idéal, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes adhérents à ce groupe, respectez-vous, respectez les autres. Et surtout, s'il y a une histoire qui se passe et qu'on va en réunion pour les modérateurs, modératrices, pour des décisions et qu'on vote, je ne veux pas savoir que quelqu'un ou quelqu'un d'autre vienne sur la plateforme pour pouvoir encore débattre. La décision, quand c'est pris, c'est pris. Il n'y a rien derrière, personne ne vient derrière pour venir raconter sa vie encore. Alors, s'il vous plaît, merci pour votre attention, merci pour ceux qui m'ont écouté. Maintenant, je vais prendre des avis, je vais vous écouter. S'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole en direct pour parler, moi, ça ne me dérangerait pas. Je vous invite. Si je vais parler en direct, ce sera bien. Ce sera bien. Il n'y a pas de honte à parler en direct, à donner son avis. Il n'y a pas de honte à ça. Maintenant, si vous ne voulez pas parler, moi, je n'ai fini. On est entre nous, on est dans le groupe. Il n'y a pas de honte dans ça. Hein. Et ça, cette vidéo, ça ne sort pas ailleurs si ce n'est pas dans le groupe. Voilà. C'est un groupe fermé. Si c'était du groupe public, là, la vidéo pouvait aller n'importe où. Un groupe fermé, ça ne sort pas. Ça reste dans le groupe. Tout ce qui vient dans le groupe, ça reste dans le groupe. Donc, sur ce, je vous dis merci. Voilà. Si quelqu'un a un problème, si ton insulté dans le groupe, tu n'as pas besoin de riposter. La seule chose que tu peux faire, c'est d'aller vers les modérateurs. Les modérateurs,
pour t'expliquer, pour leur exposer ton problème et puis on va résoudre. Voilà. Merci à vous qui m'avez écouté. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse le groupe et tous ceux qui sont dans le groupe. Vive le groupe fier d'être Koumène. J'en suis fier et j'en suis encore plus fier. Et merci. Merci. J'espère que vous aussi, vous êtes fier d'être Koumène. Donc, sur ce, j'ai fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole en direct, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, s'il vous plaît? Maintenant, pour vous dire que désormais, on a Rebecca Arlène Ola qui est modératrice, Rebecca Takou. On a Lydie Bané, on a Marlène, on a Yepo Emile, on a Willy Do, on a Roméo Hie, on a aussi Iman Oloye, on a d'autres personnes et donc toutes ces personnes sont à votre écoute pour le bien-être du groupe et pour l'avancement des choses. Merci et à bientôt.